Bonsoir. Mohamed Khair, ça va? C'est Snapo Media. Merhaba. On voudrait un petit mot pour voilà, la donc, veille de cette journée. Voilà, nous sommes donc à la veille de la conférence, la 13e du Snapo, sous le parrainage de M. le Président de la République. Et donc, en principe, on attend jusqu'à 1200, 1500 participants, Inch'Allah. Il y a beaucoup de bureaux de wilaya qui sont déjà là. Et donc, demain, on attend aussi plusieurs ministres, Inch'Allah, ikounou ma'ana. Et donc, on espère que ça sera un succès comme d'habitude, comme toutes les journées du Snapo. Et merci à tout ce que vous faites. Merci à vous. Je suis la pharmacienne Otmani d'Ourgla. C'est ta chambre à toi. Je présente la wilaya d'Ourgla. Oh, je suis vraiment contente. Vous voyez que je suis en train de travailler, de faire. Voilà. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi mes collègues, mes consoeurs, mes confrères dans cette journée. Oh, je souhaite bien que ça sera bien réussi, c'est ça? Inch'Allah. De jour en jour, je me rends compte que nous sommes une famille. Nous sommes vraiment des frères et sœurs. Je suis Mohamed Mahdi, membre du BN. مرحبا بكم ومرحبا بنا دو تلامسان سي جو بونسي لو سي لا 13e جورني ان شاء الله سا سرا اون جورني ميمورابل و غافي دتر بارمي لا فارمي سنابو يعطيكم الصحه ايكوتي سي nous sommes heureux. Donc des préparatifs qui concernent notre journée nationale du 9 mars. Un certain nombre de sujets vont être traités, c'est des thèmes qui sont très importants. On a trois panels durant cette journée et donc je pense qu'on s'attendra à une présence massive comme celle de l'année écoulée. Et nous sommes pour la réussite, bien entendu, de cette journée. Moi, je remercie tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à l'organisation. Voilà, merci. Vous venez de Skikda? Oui, de la wilaya de Skikda, là. Et je représente la wilaya de Skikda. Je fais partie en qualité de secrétaire du bureau. Pour le début, ça, c'est un début prometteur, c'est ça. Et j'espère une réussite pour le bureau national pour cette journée du Snapo. Merci. Voilà. Oui. De la Roite. De la Roite, oui. Et je... depuis sa création, je suis l'un des membres fondateurs. Donc, je me sens obligé. Je me sens obligé d'assister. Ah oui, bien sûr. Le plaisir de revoir mes confrères et elles me corrigent. Le plaisir de revoir mes jeunes confrères, mes confrères de... Hein, c'est des gens de ma promo. Donc, le plaisir est partagé, il le dit. Et M. Belhambri nous a fait encore plaisir tout à l'heure de nous dire... il nous a annoncé que la journée est prise en charge, pas prise en charge, mais elle est sous l'égide. Le haut patronage de M. le Président de la République. C'est quelque chose pour le Snapo. Donc c'est à chaque fois un plus. يعطيكم الصحة. مرحبا بكم في اليوم الوطني 13 لنقابة الصيادلة الخواص، اليوم الوطني إن شاء الله اللي يتحدث على لي تيكست دابليكاسيون تاع لا لوا دو سونتي. بور لو مومون حنا ليكيب تاعنا راهي مستكلفة باستقبال كاع لي زانفيتي تاعنا، سا سباس كوم سور دي رولات، والحمد لله لي جون سون سوبر هورو، تلاقينا حبابنا، إي سا سباس بيان. إن شاء الله بليس دو ريوسيت غدوة. عبد الجليل بن براز سوق هراس، مثل بيرو سوق هراس، صافي بليزير دوتر إيسي parmi nos confrères. C'est un grand honneur. Chokra, merci. Alam, c'est khair. C'est Snapo Media. Marhaba. Le nouveau-né du Snapo. Allah ybarak. On est en train de couvrir l'événement. Mubarak alina, nouveau-né.
Monsieur Birama, trésorier du National. Merci. Comment ça se présente? Ça se présente bien, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est un événement Najah, c'est un événement très important, la conférence annuelle. Inch'Allah, Inch'Allah, c'est un Najah. Merci. Bonne fête à toutes les femmes du SNAPO et toutes les pharmaciennes et toutes les femmes algériennes. Voilà, content d'être parmi vous encore une fois dans notre grande famille SNAPO. Donc nous venons de Boumerdès. Et voilà, bonne chance pour tous. Inch'Allah, ça va se passer bien comme d'habitude. Bonne fête à toutes les femmes, principalement à toutes les pharmaciennes. Inch'Allah. On souhaite une réussite à la journée. Inch'Allah. J'ai l'imbomardès. N'htafel, Inch'Allah. Laïsim lek. Exact. Aïwa. J'ai l'inch'Allah. N'hdarouf la journée. T'as les pharmaciens. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. La dernière fois, une journée fait Adarar, qui était une journée très réussie. Inch'Allah, ça va continuer comme ça. Voilà. Et... voilà, bienvenue à tous les pharmaciens. Okay. Le guide Fiti Mimoun, il était très sympa, c'est un jeune très actif que je l'ai invité personnellement. C'est un plaisir de le voir. Le plaisir est partagé. Voilà. Bienvenue, Inch'Allah. Eh ben, la journée, c'est une habitude pour nous, c'est une tradition. Je souhaite plein de succès à cette journée et plein de réussite. Ou la coupe les journées jaïn, Inch'Allah. Merci beaucoup, ya taksa. Biko sahla. Jina mdia. Mais jina adna bzaf. Raki retardi. Par rapport à la journée, comment ça va se passer? Pour cette journée, on attend de bonnes nouvelles. Hein, surtout par rapport à la 0418, on attend de bonnes nouvelles, surtout avec le panel de la justice, le Hamidiro. J'espère que le bureau national, qui est très actif, il en remercie beaucoup. Le Hamidiro, c'est le bon étudiant, Inch'Allah. Bonsoir, M. Ziyad. Bonsoir, Sahid. Vous êtes là pour la journée de demain? Oui, tout à fait. On est venu pour assister à la journée et voir quelles sont les nouveautés par rapport c'est-à-dire à l'actualité actuelle, beaucoup plus surtout pour le décret du psychotrope, le décret 19-379. Voilà. On reviendra vers vous en fin de journée pour vous nous donner votre... Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord, merci. Bonsoir. C'est le bureau du SNAPO de Khenchla, n'est-ce pas? Oui. Vous venez de loin? On a parcouru plus de 550 km pour être prêt. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Bien sûr, on attend beaucoup de choses. L'explication, les thèmes les intéressants qui vont être exposés demain, Inch'Allah, avec la nouvelle loi de santé, le nouveau décret de sécurisation. Et les autres, beaucoup de choses. Merci, Bébé. On reviendra vers vous en fin de journée. Inch'Allah. À vous. وبكري هنيك لهنيك صلاح رغيس ممثل عن المكتب الولائي لولايه خنشله. مرحبا بك. وبكري هنيك. واش تسنى من هذه لا جورني تعقبوا ان شاء الله؟ ان شاء الله يتوضحوا النقاط اللي كانوا مبهمه ويكونوا فيها النقاط اللي راح تساعد الصيدلي في تسيير المواد المؤثره العقليه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يعيشك هنيك. بونسوار مسيو بوشير. بونسوار. SNAPO Alger, n'est-ce pas? SNAPO Alger, on prépare la journée du 9. Tout le monde est ici, tout le monde travaille dans une très très bonne ambiance. Ça s'annonce très bien, Inch'Allah. Inch'Allah. On vous attend tous demain, Inch'Allah, le 9, très tôt le matin. À 8h. 8h30. Bonsoir, monsieur Slema. Bonsoir. 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 Nous sommes de retomber positif.
parce qu'on est en train de travailler plusieurs dossiers. Inch'Allah, ça, il va y avoir des résultats. Salam alaikum. Salam, marhaba bi, ahla bikoum, marhaba bikoum, labas, alhamdulillah. Alhamdulillah, hada oui, hada oui. Alors, c'est bien. Pour voir vos impressions par rapport à la journée de demain. Inch'Allah, nous sommes tous mobilisés, nous sommes tous. Ah, bien sûr. Menjijel, oui, à ne pas rater. 350 km. Hein? C'est pas beaucoup, hein? Ah, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va. Voilà. Membre du Conseil national et président du bureau de Constantine. Donc, on est venu pour l'événement de la journée de demain, le congrès du SNAPO. Il est important parce qu'il y a des nouveautés. Donc il y a la loi sanitaire et en plus le décret des psychotropes. Donc il va y avoir les débats qui vont enrichir l'assistance, surtout les points, l'éclaircissement des points où les pharmaciens ont eu une lecture différente. Donc il va y avoir des spécialistes, des éclaircissements, des spécialistes qui vont bien sûr établir le protocole, le texte en lui-même, l'application, la faisabilité, et les pharmaciens, c'est l'occasion des pharmaciens pour qu'ils puissent poser des questions afin de comprendre la dispensation de ce psychotrope. Merci. Voilà. Merci. Par rapport à la journée, la journée de demain, Inch'Allah, il va y avoir des retombées positives pour les pharmaciens dans tous les domaines. Donc on est très content et très heureux d'avoir travaillé, d'avoir contribué dans le décret exécutif concernant les psychotropes. Inch'Allah, il va y avoir aussi le truc de la formation pour le personnel officinal. Inch'Allah, ça va être imminent aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour moi aussi. C'est une bonne nouvelle qu'on va aux pharmaciens. Inch'Allah, ça va être réglé prochainement. Au FUSNAPO, il n'y a pas de dictature. Il y a des gens qui travaillent. C'est des volontaires. C'est des volontaires. Donc, c'est du bénévolat pur et simple. Donc, les gens qui ont fait le FIFA, ils ont dit qu'ils ont les pharmaciens, On est venu pour défendre la profession de pharmacien. C'est juste pour défendre les pharmaciens. Ou les gardiens qui veulent, les pharmaciens qui veulent qu'on les représente, rana hna. On a drabou alayhem bel hababa. Choukran. Ça va pour midi, Allah ybarak. Ça va la basse, Allah yahchou. Ça va bien. والله غير لاباس الحمد لله نسالوا عليك وانتم راكم بيان لاباس وسنابو يسبورت بيان تخي بيان الحمد لله سيرتو الحمد لله الحمد لله واش نظرك في لا جورني تاع انطباعات تاعك بور دومان بور دومان اوني اوبتيميست اوني توجور اوبتيميست ان شاء الله لو سنابو الى لي اجوري لا رونديفو ان شاء الله يكون حضور واعتبر كما يقولوا من طرف السلطات يجي يشوفوا السنابو يشوفوا المؤتمر تاعنا هذا الاسومبلي تاعنا نشوف ان شاء الله بالك نلقاو حلول لمشاكلنا مشاكل سيرتو هذه المشاكل تاع لي بسيكوتروب بيسكي كونسيرن لا بسيكوتروب ان شاء الله يكون الحضور معتبر حنا ماذا بينا يكون الحضور يكون معتبر باش ما الصدى يكون الصدى ويكون كما نقولوا الصوت تاع الصيادله يفوت كما يقولوا الحدود ما يكعش غير في الفارماسي ما كاينش في او نيفو دي فارماسي لي فارماسيان كي دوتو ولا ما ماش انا لي فا تر كيما نقولوا اكل لي بوين سون مي فوا تر اكلير او نيفو دو توت لي انستيتيسيون دو ليتا تو كيل كو سوا كيل سوا لا سونتي لا كناس لا جوستيس تو سكي لي سلابو لي لا Monsieur Hanifi, président du bureau de Chlif, n'est-ce pas? Oui,
Je suis M. Hanafi, président de Chlef. Mubadara جيدة هذا السنابو ميديا ونتمنى إن شاء الله الاستمرار فيها إن شاء الله ومزيد من النجاح إن شاء الله السنابو. نتمنى إن شاء الله تكون ça va rapporter quelque chose de plus la profession et les pharmaciens aussi وإن شاء الله تكون فيها المنفعة للجميع إن شاء الله وتكون المواضيع التي تم التطرق لها وهو قانون الصحة الجديد إن شاء الله الاقتراحات تاع الصيادلة تكون سوف تؤخذ بعين الاعتبار إن شاء الله وهذا من أجل من أجل تحسين المهنة وتحسين الوضع الاجتماعي للصيدلي. شكرا لكم. Bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui, c'est la pharmacie Farhawia. Nous sommes au lieu de Sétif, membre du bureau de Sétif. Voilà. Allez, c'est la pharmacie. Inch'Allah, une grande réussite. Inch'Allah, ça va être riche comme d'habitude. Bon, parce que moi, ce n'est pas la première fois que j'assiste. Je suis sûre que ça va être réussi, Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. Même si elle est riche. C'est le mec toujours aussi ravissante, rayonnante. Voilà, toujours aussi rayonnante. Le SNAPO, moi, je dis une chose. Après l'UGTA historique de 56 avec Aïssa Tidir, et après le GTA de Ben Hamouda, le SNAPO est le prototype même du syndicat. Avec la compréhension de ses réelles missions, de ses authentiques missions, et on est fiers d'être SNAPO. Voilà ce que j'ai à dire sur le SNAPO. Concernant la journée de demain? La journée de demain, d'ores et déjà, moi je vois plein de monde, je vois toutes les générations confondues, des plus jeunes aux plus... Bon, je ne veux pas dire, mais enfin, des plus jeunes au reste, et ça fait plaisir. De toute façon, bon, la vie c'est un combat quotidien. Bon, ça nous fait, moi personnellement, entre le militantisme ordinal et syndical, ça me fait plus de 20 ans, mais j'ai toujours mon enthousiasme, mon enthousiasme est intact. Surtout que quand je vois mes aînés, je vois les vieux, les aînés, moi je vois là, voilà. Merci beaucoup, c'est moi. Bonsoir, c'est SNAPO Media. Ilimi Mohamed Lamine, secrétaire général adjoint, bureau de Jaffa. Donc c'est toujours un plaisir de se retrouver dans cette grande famille de SNAPO pour cette journée nationale. Voilà, pour parler des difficultés de la profession et de proposer, de trouver les solutions. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, une réussite, Inch'Allah, pour... Ah oui, c'est comme d'habitude. Puisque c'est une grande famille, donc on est toujours unis, alhamdoulilah yarbi. Donc la réussite, elle est normalement à 100%. C'est comme d'habitude. C'est la tradition du SNAPO, voilà. Merci bien. Merci madame, au plaisir. Oui. On voudrait avoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à la journée de demain? Ben, j'espère que ce sera une journée bien réussie. Les sujets sont bien choisi par rapport à la période, enfin à ce qui se passe. Et j'espère que beaucoup de gens, beaucoup de pharmaciens vont assister à cette journée. J'espère bien. Et je suis sûr que... Comment dirais-je? Oui, bien sûr. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Le SNAPO toujours est devenu professionnel dans tout le domaine. Par rapport au thème. Par rapport au thème, oui. C'est un thème... qui est très important pour tous les pharmaciens. Ça concerne le décret 1979 qui a été bien négocié par le SNAPO. On voit pour la première fois que le pharmacien est bien protégé par rapport à ce qui s'est passé, le mal passé. On voit que beaucoup de pharmaciens ont payé
un pays de... Oui, lourd. Ah oui, bien sûr. Aller en prison, la voir le procureur, un juge d'instruction, ne serait-ce que pour une heure, c'est très difficile, pour être difficile pour un pharmacien, puisqu'il n'est pas... C'est un homme intellectuel, enfin, c'est un intellectuel, c'est, il n'est pas... Il n'est pas habitué à ce genre de situation. Donc, je pense que c'est une vraie protection pour le pharmacien. On attend beaucoup plus la sortie des listes, oui, c'est très important. Je parle beaucoup plus de la loi 1804, qui sera bien, j'espère que bien détaillée, et beaucoup plus les listes pour bien orienter ou la canaliser le pharmacien par rapport à son exercice. Oui, bien sûr, justement. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Là, il va être fait comme ça.